de 20h à 23h. Allez, retour sur Énergie. Guillaume Radio, on est en direct en public avec notre équipe. Tout à l'heure, Gims, on va rigoler un peu sur la prépa. Mange un citron, j'ai un stagiaire. Merci, Jack. Mais non. J'ai un stagiaire qui a un peu. Il est un peu la. Ah, il est pas bien. La gastro. Ouais. La gastro pour très vous mal. Ouais. On va faire un jeu dans quelques minutes. On va faire un jeu de la une erreur. Je vais vous raconter deux fois une histoire. Il faudra trouver la différence. On a des cadeaux à vous offrir. J'ai des grosses télés. Ouais. Le premier qui me trouve, je vous offre soit une enceinte Bluetooth, soit un casque qui vaut bien cher, soit vous reportez. Ouais. Avec la grosse télé. Une grosse télé. Gilles qui réalise l'émission, t'as le droit de jouer aussi. Il faut juste que tu dises pas la réponse à l'antenne, ouais. Tu dis juste ton prénom. Et tu gagneras pas la télé. Hein. Dans le public, c'est bon, vous avez les stylos. C'est bon, prêt, très bien. Bon. Vous allez noter les gars. Et voilà, attention, c'est parti, on va se concentrer. Et dans la foulée, Fares Express, les bons plans de Fares du Standard. Comment gagner de l'argent et comment faire des cadeaux de Noël à moins 70% à côté de chez vous. C'est pas mal, c'est intéressant. Bien. Il a trouvé un truc, franchement, balèze. Ah ouais. Attention, c'est parti, je raconte deux fois l'histoire. Il y aura une différence entre les deux. Vous m'envoyez Guillaume, un espace, le mot qui a changé, avec votre numéro de téléphone dedans, au 612. Elle est vraiment donnée. Ouais, mais chaque fois tu dis ça, hier soir, tu dis ça en galère. Hein. À chaque fois, c'est galère. C'est vrai que je dis ça depuis plusieurs jours, et vous remarquerez quand même que les mots sont plus faciles. C'est vrai. Oui, là, j'ai divisé par 3 la longueur de l'histoire. Ah, et j'ai changé un mot énorme. Ah ouais. Vraiment, je pense que là, on est passé un cap. Bon, bah, j'ai peur. Ça a un rapport avec le rap, puisque nous avons Maître Gims, notre invité, juste après. Ah, oui. On y va. Je m'appelle Michael et je veux faire du rap. Ce soir, je monte sur scène faire un battle à trap. J'espère que je vais gagner et faire taire les rageux. Comme ça, je pourrai enfin percer dans le milieu. C'est tout ? C'est tout. Ah, mais ouais, c'est déjà trop. Hein. Alors, ne fais pas trop la belle. Ouais, non, ça va être hyper mal. Il faut trouver la différence entre les deux. Attention à l'équipe, parce que vous êtes prêts. Ouais, deuxième histoire. Je m'appelle Michael et je veux faire du rap. Ce soir, je monte sur scène faire un battle à trap. J'espère que je vais gagner et faire taire les rageux. Comme ça, je pourrai enfin exploser dans le milieu. Ah merde, je l'ai pas. Je l'ai Ouais, non, c'est chaud. Ah, il y en a un qui l'a dans le public. Non. Deux. Ouais. Putain, pas sérieux, mal, pas mal. Alors, attends, attends. Ah, il y en a plusieurs. Hein. Trois dans le public. Ah, Fares du Standard, tu penses l'avoir ? Je crois. Ah, très bien. Guillaume, un espace, et allez-y si vous l'avez trouvé. Moi, je la trouve choquante, la différence. Ouais, mais parce que je l'ai faite. Bonne réponse et. Mais non. Pas bonne réponse. Ah, il y a deux. Donc les deux gros. Putain, pas mal. Il y en a deux dans le public qui l'ont trouvé. Je vous envoyais Guillaume et le mot qui a changé avec votre numéro de téléphone au 612. Gilles qui a réalisé l'émission. C'est une énorme différence. C'est chaud. Ok, je vais raccourcir l'histoire. Attends, je te montre. Je vais raccourcir l'histoire. Attention, vraiment, elle est vraiment facile. D'accord. Bonne réponse, Fares du Standard. Ah, et ben voilà. Putain, bien joué. Moi aussi, je sais, j'étais choqué. Attention, je attention, on y va, c'est reparti. Je la raccourcis cette fois-ci. Vous envoyez Guillaume et donc le mot qui a changé avec votre numéro 612. J'espère que je vais gagner et faire taire tous les rageux. Comme ça, je pourrai enfin percer dans le milieu. Première histoire, deuxième histoire. J'espère que je vais gagner et faire taire tous les rageux. Et non, et faire taire les rageux, pardon. Comme ça, je pourrai enfin exploser dans le milieu. Qui suis-je, Guillaume? Et le mot avec votre numéro au 612. Ah, je l'ai pas. Jordan l'apprenti, quel est le mot que tu penses avoir trouvé? Je pensais que c'était tous les rageux. Pas du tout. Pas du tout. Non, c'est un bug. C'est en début ou à la fin de la phrase? Tu veux que je te donne la réponse? Non, mais ça m'a le bug. Tu tapé sur la table en mode j'ai trouvé là. Non, mais j'étais pas sûr. J'ai un stagiaire, il fait l'intéressant, il a rien derrière. Non, mais c'est les rageux, mais rageux il y a encore. Dans le public, qui a trouvé pour l'instant? Levez la main s'il vous plaît. 1, 2, 3, 4. 4-5 sur beaucoup. Donc c'est-à-dire qu'il faut que je la raccourcisse encore. Je la refais exactement pareil parce que pas le choix, écoutez bien, écoutez bien. J'espère que je vais gagner et faire taire les rageux. Comme ça, je pourrai enfin percer dans le milieu. Première histoire. Deuxième histoire. J'espère que je vais gagner et faire taire les rageux. Comme ça, je pourrai enfin exploser dans le milieu. Aude. Ah, Jordan. Guillaume est le mot avec votre numéro de téléphone. Mais vous l'avez pas, 612. Gilles le réalisateur ça d'émission. Fou, j'arrive pas. C'est vrai. Non. Mais attends, elle est facile. Début, bonne, réponse. Allez, bonne réponse. Oh, comment j'ai les nerfs. Bonne réponse. Bonne réponse pour Aude. Cool. Bravo. Ça, ils l'ont trouvé. Il y a toujours j'ai un stagiaire en dernier. Et vous voyez, quand, c'est bien qu'on ait du public parce qu'au moins ils se rendent compte que ce n'est pas un personnage. C'est pas les blagues. Mais galère. Mais tu sais quoi, ça va trop vite en fait. Et que c'est absolument réel. Ça va trop vite. Il y a du foot qui a commencé depuis 21h. Ouais, Strasbourg PSG toujours 0-0. Et on partira sur les bons plans de Fares du Standard dans 2 minutes. Comment payer les cadeaux de Noël à moins 70% à côté de chez vous. Gilles, le réalisateur de l'émission, finalement est aussi lent que j'ai resté. On est frérot, Gilles. Ah, je vais vraiment raccourcir, d'accord.
Vraiment, je peux pas. Mais arrête de dire ça. Ah ouais, après c'est attention, chaud, ouais. Dernière histoire. Dans le public, tout le monde n'a pas trouvé. Hein. Je crois qu'il y a, qui n'a pas trouvé dans le public. Levez la main ceux qui n'ont pas trouvé. Deux, trois. Il y en a que trois qui n'ont pas trouvé. Ouais. Attention, c'est parti. On refait une dernière fois très courte. Faire taire tous les. Faire taire les rageux. Comme ça, je pourrais enfin percer dans le milieu. Ok. Les rageux liés. Première histoire. Je sais que rageux liés. Deuxième histoire. Faire taire les rageux, comme ça je pourrais enfin exploser dans le milieu. Putain, sa mère. Ah. C'est bon, je l'ai. Et votre c'est message bon. Aussi, sans dose. Je viens de stagiaire qui dit putain sa mère. Ah ouais. Ça, c'est pas une ça. Excusez-moi. Ah, enfin. C'est évident. Je viens de stagiaire qui a la grippe et la gastro en même temps. Ah, c'est pour ça. Un peu diminué. Il a une grise trop. Il a de la fièvre, ça sort par dehors, par dessus. Je me retiens. J'ai qu'à les émissions. Bonne réponse. J'ai qu'à les émissions. Dans le public, tout le monde là, c'est bon. On va voir si vous l'avez trouvé. Guillaume, donc, est le bon mot avec votre numéro de téléphone. On vous file une énorme télé. Vous envoyez Guillaume et le bon truc. Je vous appelle tout de suite. Juste après ça, on se fait le bon plan de Farès du Standard sur comment payer des cadeaux de Noël 70% moins cher. On parle du truc avec les dents sur énergie dans la foulée. De 20h à 23h. Yeah. Tous les soirs, c'est Guillaume Radio. Sur énergie. Allez, de retour sur énergie. Tout à l'heure, Maître Gims avec nous. On est en direct. Il est 21h24. On va appeler le gagnant du jeu de la une erreur. Ouais. Ça fait 3 mois que je vous écoute. Le jeu de la une erreur, terrible. Super ce que vous faites. Merci. Merci. Bon courage pour les cours demain. Je vous écoute avec ma classe et tout ça. Salut les gars. Merci d'être avec nous là. Bisous. Salut au collège, au lycée, à tous ceux qui écoutent l'émission et tout. Merci d'être là. On se la fait à l'ancienne à partir de 20h chaque jour jusqu'à 23h. Ouais. On se calera tout à l'heure. Tous les gruites. Hein, si y a un morceau qui vous donne envie, vous me le dites. Je pose tapis. Arrête de te faire chier, Bernard Tapie. Tu crames les mêmes pas de danse comme Shaki. Je sais plus quel effet ça fait d'être 3 fois plat. On l'aura tout à l'heure, Maître Gims. On sera Post Malone. On appelle le gagnant du jeu de la une erreur. Ouais. Il a trouvé dans le jeu avant. Il fallait trouver la différence entre deux histoires. On lui offre une télé, mais s'il veut pas enceinte, la télé, casque aussi. On lui offre autre chose. Et juste après, on va se faire Eminem et on va parler des bons plans de Farès du Standard et des problèmes de Chico aussi. Ah avec ouais. Une dentiste qui a trouvé des asticots. Vous savez pouvoir des asticots. Salut à toi. Ouais. Est-ce que t'as des asticots sous tes chicots? C'est la première phrase que je t'aurais dit. Ça rentre. C'est quoi ton prénom? Julien. Ça va Julien ou quoi? Salut Julien. Salut. Ouais, ça roule. Ça va Juju. Alors, ce que Julien Stagiaire nous dit que quand il était petit, tout le monde l'appelait Jujujul. Ouais. Il nous prend pas un peu pour des Julien, mais tous les Julien, c'est pareil. Comme le rappeur. Comment on t'appelait quand t'étais petit, Julien, toi? Moi, ouais, c'est Juju. Ah bah Juju. Ouais, voilà. Jules. Bah ouais. Julien de quelle ville? De quel âge? De quel métier? De Rambouillet. De Rambouillet. Ah, 78. Eh ben, enchanté, Julien de Rambouillet. Tu fais quoi dans la vie, toi, Julien? Je suis cuisinier. Cuistot, où ça? Ouais, Clairefontaine en Yvelines pour un traiteur. Ah d'accord. Ah bien. Alors Julien Stagiaire vient de penser que tu es en contact avec des footballeurs. Il a une demi-molle. Ah quand même pas, ça va. C'est ça. Dieu quoi, le mec. C'est tellement dur. Ça aurait été rigolo. Attends, par contre, t'es dans la tempête en bouillie. Ouais, un petit peu. Qu'est-ce que tu fous dehors à 21h25? Tu fais quoi? Je commande à manger. Ah, tu commandes? Ah, t'es bon appétit. Tu fais quoi? Tu fais le drive? Au tacos. Ah, mais t'es cuisinier. Ouais. Dommage. Bah non, mais il va il pas peut bouffer. Se faire manger. Mais oui, mais il va pas bouffer au travail. Mais oui, ah oui. Il sait se faire manger. C'est qui a mangé un tacos? Donc c'est Jordan, notre apprenti. Ouais, c'est moi. Ouais. Jordan, l'apprenti, il a quand même un rythme de vie. Le mec, il mange comme une tortue. C'est pas normal. Le mec, il fait des réserves. Un tacos de 2 kilos et il mange plus pendant 2 jours. C'est un double XL. Le mec, en fait, il se bourre la bouche. C'est pas bien. Julien Stagiaire, tu t'es déjà fait bourrer la bouche? Non, je parle de tacos. Mais oui, j'aime bien les tacos. Ah, bon, en tout cas, bon, oui, Farès du Standard. En fait, son tacos, il faisait 20 cm de long. Non, mais c'était n'importe quoi. Le mien, il en faisait 5, j'ai galéré à le terminer. Il avait fini avant moi. Ah oui, non, mais c'est pas normal. C'est ce qu'on appelle un bœuf. Julien de Rambouillet, qu'est-ce que tu aimerais gagner? Tu préfères la télé, tu préfères l'enceinte ou le casque? La télé. Eh ben, on te l'envoie à la maison. Bravo, Julien. Bravo. Voilà, Juju, c'est la première fois que tu joues avec nous ou t'avais déjà joué et t'avais pas gagné? J'ai jamais gagné, c'est la première fois. Ah, mais t'avais déjà joué avant? Ouais. Ah, voilà. Oui, c'est-à-dire, tu t'étais préparé le SMS, tout ça, on est d'accord?
Bah toujours. Ah oui, voilà. Tous les soirs. Ah, ouais. Faut être dans les. J'ai un stagiaire, lui, il se met à quatre pattes. Oh, faut être dans les starting blocks. Faut être prêt à partir. Yo, t'inquiète. Surtout pas ce soir. Bon, en tout cas, félicitations, poulet. Je te repasse directement le standard. On prend tes coordonnées, d'accord? Ouais. Merci. Allez, bisous, bisous. Bisous, bisous. Salut, Julien Rambouillé. On va retrouver Marie. Tu m'entends, Marie, la dentiste? Oui, bonsoir. Bonsoir. Salut. Salut, la blouse blanche. Salut, l'aspirateur à salive. Salut, la petite roulette. Salut, le goût à la menthe. Non, moi, je suis prothésiste dentaire. Tout taille. Moi, je travaille pas en bouche. Moi, je récupère juste des appareils. Ah, oui, d'accord. Tu coûtes cher, toi. Ça coûte rien une couronne, ça coûte 1000 euros, tu l'as fait. Et ça y est, tant mieux. J'ai stagiaire, le mec. Il règle ses comptes. Il règle ses comptes avec la radio. Ah ouais. Et Marie, vous abusez. C'est pas moi qui me fais 1000 euros. Ah oui, bah oui. Ouais, bah oui. Partage. On va pas vous plaindre non plus. Hein. Oui. C'est comme les impôts, on n'a pas de pitié. Ouais. Hein. Non, je rigole, Marie. Marie, tu fais ça depuis combien de temps, prothésiste dentaire? Ça fait une dizaine d'années. D'accord. Ah, et oui. Tu fais des chicots en quelle matière? Parce qu'il y en a en bois, en fer, en cuivre. En bois. Principalement, moi, je fais les dentiers principalement en résine. Ouais, non, parce que depuis Louis XVI, il n'y a plus de dentiers en métal. Tu le savais que c'était à l'époque des rois, ils avaient des dentiers en bois. Ah ouais. Mais ça tient pas le bois. C'est bizarre. Ouais. Ah, c'était le problème, c'était l'odeur. Ah bah ouais. Ah bah ça pourrit. Hein. De putréfaction. Ah mais toujours, hein, c'est toujours le problème. Ah ouais, ouais, bah ouais. Ah c'est vrai, t'as des dentiers qui puent toujours. Hein. Ah bah quand on les gratte souvent, oui. Ah ouais, c'est vrai. Ouais. Pas les gratter. Ouais. C'est vrai que j'ai dit quand ils se lavent les dents. Ah quand ils se grattent. Un jour, on avait une plante à la radio. Ah, il s'est lavé les dents à côté de la plante a fané. Hein, c'était très bizarre, genre. Ah ouais. J'ai les dents propres, attends. Non mais bon, bref, et en tout cas Marie, tu vas nous raconter le pire truc que t'es vu juste dans 30 secondes. On va se faire le nouveau Eminem, la Walk on Water. On est en public, on se retrouve avec Maître Gims après. On se fait Maître Gims avec un invité surprise. On ne sait même pas qui c'est lui-même. La maison de disque a pas voulu nous dire. Ils nous ont dit qu'il y aura un invité surprise. On va le découvrir juste après Eminem sur Energy. J'ai entendu. Soit Maître Gims en direct et en public de 20h à 23h sur Energy. En public toujours. Putain, je crois que cette émission pourrait durer 6 heures qu'on n'aurait pas commencé. Ah ouais, grave. Sortie du clip de Caméléon aujourd'hui. C'est ça, ouais. De ton titre qui marche très bien, mais qui est mérité parce qu'il est à l'américaine, hyper beau, hyper classe, quoi. Ouais, merci. Snake nous disait que c'était des budgets pour lui à 300-400 000 euros par clip, quoi. Et c'est quasiment et parfois il en jetait. Ouais. C'est ouf. Il disait que ça lui est arrivé, il est chaud, quoi. C'est toi qui réalise, qui est derrière le réel pour dire exactement ce que t'as envie dans tes clips à toi? Ouais, je participe beaucoup. Je suis beaucoup dans la réal. Bah, pour Caméléon, pour Tout donner, je me tire, Bella. Pas c'est marrant, tu mets vraiment ta femme partout dans les clips. Il y a une petite truc. Là, c'est à la fin. Le plan, on dirait vraiment un film américain. Ouais, quoi. Ouais, c'est impressionnant. Là, t'as dû kiffer le. Ouais, on trouve ça marrant. On s'amuse beaucoup sur les tournages comme ça. Ouais, c'est on vrai. On s'amuse beaucoup. Donc, c'est venu vraiment naturellement. C'était pas calculé. C'est dit, de la mettre dans les clips comme ça, ouais. On commençait avec Tout donner, on s'est dit, vas-y, on va faire un truc. Dans une carrière comme toi, il y a toujours. Dans les mecs qui marchent, quand on les croise et tout, il y a toujours une femme derrière. C'est vrai. Mais c'est pas un mythe ou quoi, il y a toujours une femme vrai, parce que sinon tu perds un peu les regards de Sopra. C'est toujours des gens qui sont hyper sérieux. Ils sont dans un soutien vraiment de dingue. C'est pour ça que je galère. Parce qu'on est dans des métiers qui brillent, vous êtes dans des métiers qui brillent, etc. Mais il y a toujours des moments où ça va moins bien, il y a une baisse de morale, il y a des trucs. Il y a toujours quelqu'un qui soit. Sinon tu deviens fou dans ces milieux-là. Toi tu pensais que ça marcherait si tu revenais 10 ans en arrière aussi fort que ça là pour toi? Non, honnêtement, non, je pensais pas. J'aurais pas espéré autant de succès, autant d'amour, autant de. Parce que c'est quand même exceptionnel. Et ça, j'en parle souvent avec des proches. Je me fais toujours le mode je sors de mon corps, j'analyse un peu. Mais bien sûr, je le fais réaliser, tout le temps, bien sûr. La hauteur, pour réaliser un peu ce qui se passe. Et oui, pour oui. avoir la valeur de ces choses-là. Oui, de temps en temps, il faut se rendre compte de ce qu'on a, de la chance. De posséder des trucs, d'avoir des choses c'est, dans la c'est vie. C'est pas normal, quoi. C'est pas un truc normal. Oui, exactement. C'est exceptionnel. Ouais, et tous les jours, tu te le dis et tout quand tout tu pars. Tout le temps. Ma mère, elle me le répète tout le temps. Il y en a qui dit je suis pas spécialement fan de Maître Gims depuis longtemps, mais je l'aime de plus en plus. J'aime vraiment bien ce qu'il fait. Je ne le trouve pas qu'il est du tout arrogant ou méchant. Je le trouve justement plutôt simple. Voilà. Ah bah, c'est vrai. Mais particulièrement chez nous, je trouve que t'es hyper sympathique. Quand j'ai regardé les vidéos, parce que j'ai regardé, franchement, 40 ou 50 interviews de toi pour voir, et je t'ai rarement vu autant rigoler que ici. Mais t'es à l'aise, tu t'as non, franchement, honnêtement, je suis à l'aise ici. Merci. Comment les choses sont présentées, comment tu parles, comment l'équipe parle. On est un peu ta famille. C'est détente. Non, mais c'est vrai. C'est la récré. C'est détente, quoi. On n'est pas dans un truc où, alors ça, tu vois, c'était dans un jugement.
on est là, ça déconne. Donc moi, tout de suite, ça me met dans un mode où voilà, je suis détendu. Oui, c'est simplement. Vrai, oui. C'est vrai. C'est l'ambiance que vous mettez en fait. Ouais, nous, nous, parfois, on oublie même qu'on est à la radio. Oui. C'est un problème. Parfois, il raconte des trucs, on en oublierait. Ah ouais. Alors, tout à l'heure, tu m'as dit que t'avais un sosie, parce qu'il y a plein de messages qui arrivent là-dessus. Comme quoi, t'avais un sosie qui, et tu m'as montré des photos. Alors, en antenne ouf. Pour expliquer. Ouais. Le mec, il s'appelle Emerson, et c'est impressionnant, quoi. C'est le même. C'est impressionnant. Physiquement, tu l'as vu à Cannes et tout ça. Ouais, j'ai vu totalement. C'est impressionnant. Et vous avez fait un truc à Cannes. Tu me disais en fait où il arrivait sur TF1 et sur Energy. Voilà. Où il arrivait avant toi sur scène. Tout le monde pensait que c'était toi. Que c'était moi, il a enlevé ses lunettes. Il enlève ses lunettes. Tout le monde pète un câble et tout. Et chut, en fait, c'est pas lui. Enfin, moi, j'arrive derrière. C'est ouf. C'est énorme. Alors, c'est trop est-ce qu'on peut faire rentrer notre invité suivant, s'il vous plaît, puisqu'on a quand même plutôt bien fait les choses puisqu'il est là. C'est un clone. Mais c'est incroyable. Attends, Jordan Apprenti, est-ce que tu viens te mettre vas-y, là comme ça on laisse les deux. Non, mais t'es là-bas. Incroyable. Bienvenue, Emerson. Attends, c'est juste deux secondes. C'est incroyable. T'as la même barbe et tout. Franchement, c'est des frères jumeaux en fait. C'est dingue. Ça va, frérot? Bienvenue, Emerson. Attends, mets bien ton casque si tu veux bien, poulet. Comme ça, on va bien t'entendre. Comment on regarde depuis Cannes? Ça va? Ouais, ça va. Ça fait un an maintenant. Mais c'est impressionnant à côté. Mais je sais c'est perturbant, qui est le vrai. Ah ouais. Alors, on peut savoir dingue. Tout de suite en chantant qui est le vrai. Alors, Emerson, tu fais quoi dans la vie? Bah au fait, déjà, on s'est rencontrés, en fait il m'a invité, ça fait un an maintenant, ouais. Aux Energy Music Awards. Franchement, c'est j'ai dingue. Passé 4 jours avec lui, c'était énorme, énorme, il n'y a rien à dire, c'était énorme. Et sinon dans la vie, je suis auto-entrepreneur c'est et puis je travaille dans le commerce. Parce que t'as carrément un Instagram, attends faut quand même le souligner, t'as 245 000 fans. Ah ouais, 245 000 fans sur Instagram. Ça a réussi, hein. Et c'est Emerson le sosie du maître. C'est ça, c'est ça. Et c'est et carrément tu fais des shows en boîte, des bookings en tant que sosie. Bah au fait les boîtes j'ai arrêté un peu parce que c'est plus trop mon monde. Maintenant je fais tous les mariages, tout ça. Maintenant il fait que les zéniths. Ouais, énorme. Ah, c'est plus trop le temps et tout. Putain, c'est énorme. Et tu chantes et tout, genre. Bah, j'essaie de l'imiter, mais c'est pas facile. Même là, j'ai la voix cassée. Forcément. Le mec, c'est un génie, quoi. Merci. Attends, tu peux pas nous montrer 10 secondes? Ah oui. Ah oui. Bah. Attends, on a essayé aussi, t'inquiète. Hein. Déjà... Attends, juste pour une vanne, je suis monté tout à l'heure. J'ai mon grand patron s'appelle Morgan et l'autre Gaël. J'ai deux patrons. Ouais. Et tout à l'heure, il me dit putain, mais pourquoi il est déjà là, Gims? Il est que 18h. C'est dingue. Il y a la programmatrice d'énergie, Alexandra, qui les rencontre tous, qui les connaît, et qui me dit putain, mais je suis allé le voir. Et il est là. Et en fait, je lui dis mais non, c'était pas lui à qui t'as fait la bise. C'est dingue, quoi. Enfin, vas-y, standard. Je suis rentré dans le bâtiment tout à l'heure en arrivant, je l'ai vu assis sur le canapé. J'ai dit, mais attends, mais pourquoi il va te mettre Gims sur le canapé? J'avais pas compris. Est-ce que t'as déjà profité juste de ta ressemblance pour faire un truc un peu genre marrant? Pour pécho une meuf. Non, après ça c'était avant les meufs. Mais les trucs c'est qu'au fait. C'était avant les élites, ça. Les gens qui le connaissent pas vraiment ne savent pas faire la différence. Après, quand ils viennent, on fait une photo. Bah, je dis oui. Si tu me demandes t'es qui, je t'ai dit je suis en sosie. Ah oui. Ouais, tu me demandes t'es qui, je dis je suis en sosie. Alors, vous avoir dingue, assis tous les deux à côté, c'est ouf, hein. Le nez, la bouche, c'est la même. Je vais faire une photo avec vous deux. Je la mettrai sur mon Instagram et je dirai où est le vrai, où est le faux. Franchement, c'est rigolo de faire. Est-ce que tu veux bien nous chanter genre 30 secondes de Gims au micro avec l'effet et tout ça ou pas? Ah ouais. Est-ce que tu te chauffes ou pas pour la vanne? Mais Gims, il te jugera pas, c'est pour rigoler. Non, jamais. Ouais, c'est mes récompenses, il y a pas de souci. Est-ce que vous avez envie de nous Bah tu m'accompagnes sur sur Caméléon. À deux. Bah oui, c'est vrai. Tu la connais ou pas? Tu la connais? Ouais, j'ai pas vraiment appris celle-là. Attends, est-ce qu'il y a un morceau que tu connais? Juste un refrain en moi. J'aime bien tout donner. Tout donner. Ah, ouais. Bah tout si donner. Vous pouvez faire le refrain. Attends, vous savez quoi? On s'envoie la pub, on fait le refrain de tout donner avec le sosie de Maître Gims. On voit ce que ça donne pour rigoler. Et on aura David 10 ans qui vient affronter Maître Gims juste après sur Énergie. En public, à tout de suite. Tout le monde connaît sa musique. Guillaume Radio reçoit Maître Gims en direct et en public de 20h à 23h sur Énergie. On est là, 54. Toujours là, sur Énergie. Avec Maître Gims, Radio, à partir de 20h chaque jour. Juste, je suis chaud parce qu'il y a David 10 ans. Est-ce qu'on peut applaudir très fort David 10 ans?
avec mes gueules. Allez, vas-y, vas-y, fais le tour, mon poulet. David, 10 ans, qui est là. Il est venu poser des questions. Il vient dire bonjour. C'est là, mon poulet. Salut l'adversaire. Il vient saluer l'adversaire. T'as compris, Maître Gims, c'est pas celui qui est en blanc, c'est celui qui est en rouge. Il y a Sosie à côté. Ils vont chanter ensemble dans un instant. Premier live de Maître Gims avec le Sosie. Ça va, mon David? Ça va. Bon, je t'avoue, on a un petit peu en retard. Mais David, t'as des questions à poser à Maître Gims. C'est à propos de quoi ce soir alors? C'est quoi le thème? Comment devenir le chanteur préféré des Français? Ah, très bien, très bien. Eh ben écoute, vas-y, on t'écoute alors pour la première question. Ouais, vas-y. T'as dit que tu voulais faire un feat avec Céline Dion. Oui. C'est vrai ou pas en fait? Oui, c'est vrai. T'es au courant qu'elle s'est même pas quittée? C'est pas vrai. T'as même pas de preuves. T'as pas de preuves. Deuxième question, moi, David, vas-y. C'est vrai que t'as fait une chanson en anglais pour percer aux États-Unis? Ouais. Ah, il a peur de la réponse et tout. Non, c'est vrai. Mais elle est pas sortie. Ah, ok. Tu nous as déjà arnaqué en France. Tu crois vraiment que les Américains vont tomber dans le panneau? Il est méchant en fait, mais pas dit qu'il était méchant. C'est un méchant en fait. Il est ultra fan. Il surkiffe en plus. Il essaie d'écrire des vannes et tout. Maître Gims, je surkiffe, trop sympa ce soir pour la simplicité et l'authenticité. Ouais. Malgré une notoriété énorme et grandissante. André, salut André. Vas-y David, avant le live de Maître Gims avec son sosie ce soir. Ouais. Ton père est chanteur, tes frères sont chanteurs. Tu sais quelle est la différence entre vous et les Jackson 5? La différence, on a pas beaucoup de cheveux. Moi, je sais pas, le talent peut-être. Je vais tuer ce gamin. Je vais buter le gamin. Je vais buter le gamin. Le petit va mourir. Venez le chercher. Allez, encore une petite, moi, David, vas-y. T'es une grande star, t'as même un prénom de star. C'est vrai que ton vrai prénom, c'est Gandhi? Ouais, c'est vrai. Vu ton prénom, t'es sûr que t'es un enfant désiré? Tu peux venir voir deux secondes? On va discuter, j'ai des bonbons, j'ai des macarons de la durée. Une petite dernière au baron de partir. Et en forme, David. Ah ouais. Il est chaud, David. Il est chaud. À 10 ans, moi, j'aurais jamais osé venir parler sur la radio nationale. C'est une Kaira. La France de demain. Exactement, vas-y, mon poulet. T'es le premier chanteur ici du rap à vendre autant de disques. Ça te rend fier? Ouais, beaucoup. Ouais, mais bon, la dernière fois que t'as croisé Joey Star, t'as enlevé tes lunettes pour pas qu'ils te reconnaissent. Non. Alors là, si tu savais. Si tu savais comme Didier me craint. Le clash. Ah, mais il m'évite vraiment. Très, mais bon. Très bon. Est-ce qu'on peut applaudir David? Bravo. 10 ans? Bravo David. Tu veux rester avec nous? Enfin, tu vas pas chanter, mais avec nous et tout. T'es prêt, Gims, pour le live? On est prêt. Et il sort quand l'album? Est-ce qu'on a des nouvelles? Ou si tu veux pas le dire encore, je sais pas moi où ça en est. L'album Ceinture Noire, c'est le prochain. Il sortira en 2018, ça, c'est sûr. C'est très précis comme date, ça t'a rien. Wouh! M'appelez pour Boris de Radio Dance Floor, Non, sérieux, il arrive début d'année. D'accord, bon, allez. Vas-y. Bah, début d'année déjà, c'est mieux. Ouais, c'est on se rapproche. C'est mieux, on se rapproche. Okay. Allez, tu peux encore faire un avant. Est-ce que t'es prêt? Vous êtes prêts tous les deux? On est prêts, bien allez, sûr. Allez, vas-y, Emerson, le sosie, est-ce que je peux avoir un micro sans fil et on va se mettre directement là-bas? Le live de Maître Gims, c'est la première fois qu'il nous fait caméléon. Il accepte de chanter avec son sosie ce soir. Et voilà, on va voir ce que ça donne. Il y a l'écho et tout. T'es prêt, Emerson, le sosie? T'as les paroles? Vous pouvez vous mettre debout dans le public derrière les poulets. On peut On va s'ambiancer. On va s'ambiancer un petit public, peu. Tout le monde. Je vous préviens. Est-ce que ça marche? Allez, très bien. C'est parti. Attention, est-ce que le public, vous pouvez faire un maximum de bruit? C'est parti pour le premier live de Maître Gims. Première fois. Ok, en direct sur Énergie. Maître Gims, c'est Emerson, sosie du maître. Caméléon, live in direct. C'est parti. Ok, y'a toute une histoire derrière nous. Comment tu veux que je donne des news? Fais les bagues une question de fous. Et tu le sais, ok. Dans le tout, y'a rien à comprendre au bord du tout. De ton va trancher entre nous. Ok. Comme un caméléon. Comme un caméléon. Et merci. Allez. Ok. J'ai des sentis partir, j'ai pris les devants. Malgré moi, tu m'attires un peu comme un aimant. Mais toi, tu dis je t'aime comme un caméléon. Tout le monde, on
on s'est promis des sentiments. Quand tu disais oui, moi je disais non. Et on s'est laissé tomber, laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais, bah c'est du passé. On s'est laissé tomber, laissé tomber. Tout le monde, on s'est promis des sentiments. Quand tu disais oui, moi je disais non. On s'est laissé tomber, laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais, bah c'est du passé. On s'est laissé tomber, laissé tomber. J'ai voulu faire le bien, ouais, j'ai voulu. Ok, d'insister, on s'était promis d'essayer. On a eu tant de projets. Ok, qu'est-ce qui ne va pas entre nous? Tout ça va finir par me rendre fou. Je n'étais pas au rendez-vous, et toi non plus. Ok, je t'ai senti partir et j'ai pris les devants. Malgré moi tu m'attires. Et toi dis je t'aime comme un caméléon. Je t'ai senti partir et j'ai pris les devants. Malgré moi tu m'attires un peu comme un aimant. Et te dis je t'aime comme un caméléon. On s'est promis des sentiments. Quand tu disais oui, moi je disais non. Et on s'est laissé tomber, laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais bah c'est du passé. On s'est laissé tomber, laissé tomber. On s'est promis des sentiments. Quand tu disais oui, moi je disais non. Laissé tomber, laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais, bah c'est du passé. On s'est laissé tomber, laissé tomber. Accorde-moi une dernière danse. Je veux savoir à quoi tu penses. Quand tu regardes dans le vide et ces sentiments que tu déguises. Toujours à jouer avec les mots, toujours à se rejeter la faute. Je peux comprendre que t'es fini par dire stop. Mais on s'est promis des sentiments. Quand tu disais oui, moi je disais non. Et on s'est laissé tomber, laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais, bah c'est du passé. On s'est laissé tomber, laissé tomber. On s'est promis des sentiments. Tu disais oui, moi je disais non. Et on s'est laissé tomber, laissé tomber. Je t'en voulais pendant des années. Et toi qui disais, merci Emerson. Merci les gars. Oh là là. Merci Emerson, merci Gims d'être venu. Merci beaucoup pour ton premier live et tout. On va se quitter avec Pink et tout. Tu veux juste rajouter un dernier mot? Et en tout cas, merci, je voulais juste te dire. Merci. T'apportes une énergie à chaque fois, c'est sportif là. Ah, ça fait plaisir. Des bonnes vibes. Ah, ouais, bonnes vibes. C'est toi qui me conditionne. J'ai envie de dire que tu me conditionnes. J'arrive, je suis bien reçu, c'est un truc de malade. Quoi. J'arrive, je suis carrément dans le truc. Quand je suis avec vous, je suis vraiment dans un truc exceptionnel. C'est vraiment énorme, quoi. Allez, les gars. On a vécu le premier live, ouais, merci. Ah ouais. Franchement, c'est très important ce que je veux dire. Franchement, merci. Ah, avec plaisir, ça, très avec plaisir. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir vraiment un applaudissement? Ah oui, oui, vas-y, Emerson, rapidement. Parce que au fait, j'ai rendu heureux beaucoup de gens et surtout des gamins. Et franchement, quand j'ai commencé à faire sosie, ouais, c'était pour y aller. Mets ton casque, poulet, ce que tu fais siffler l'antenne. Voilà, alors, merci. Genre dans les hôpitaux, tout ça, les associations. Et là, franchement, en ce moment, en plus, je fais que ça. C'est pour ça que j'ai arrêté les boîtes. Bah, c'est bien, mon chéri. Bravo à toi. Bravo. C'est merci. Bravo. Merci. 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 L'antenne et tout. Je voudrais juste qu'on applaudisse très, très fort. Ah oui. Bravo. Bravo. Merci. Merci à tous. Merci infiniment. Tu reviendras pour l'album et tout. Je reviendrai, bien sûr. On va rigoler. Merci, Gidor. Merci. Merci à toute l'équipe. Merci. 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 Tout le monde, qu'on sorte le public, qu'ils en mettent un autre, etc. Il y a un peu. On se fait Pink maintenant sur Énergie dans Guillaume Radio et à demain sur Énergie à 20h.